Yeah.
Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. Ah. Meurtre ou sacrilège? Ni l'un ni l'autre. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Ah, oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord, rassure-toi. Je vais y aller. Ah, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. Bon, on verra bien. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air. Une fissure dans la paroi? Espérons que personne ne meure.
n'y avait que des bandits. Les gens auraient quand même dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Icarus. Aucun dieu dans ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais, des voleurs. Au moins tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont subi la mienne. Ça devrait suffire. Thank you.
On attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Crois-moi. Merci. Quand je pense que ces Malakas ont réussi à me surprendre. Ithaque est un endroit dangereux pour ceux qui se promènent seuls. Et pourtant, tu es tout seul. Soit. Je ne peux rien contre tout un campement de bandits. Tu veux bien m'aider à aller au palais d'Ulysse ? Je te paierai. Je vais t'aider à te rendre au palais. Alors la chance me sourit. Comment t'appelles-tu ? Alexios. Moi, Odessa. En l'honneur d'Ulysse et de l'Odyssée. Qu'est-ce que tu veux aller faire là-haut ? Je suis une descendante d'Ulysse. Je suis en pèlerinage. Tu es de la lignée de l'ancien roi d'Ithaque ? Et de l'homme qui a eu l'idée du cheval de Troie et qui a vaincu le Cyclope. Celui qui a visité la contrée des mangeurs de lotus. Celui dont parle l'Odyssée ? Oui. Pourquoi ? Tu n'es pas la première à le prétendre, c'est tout. Eh bien, j'imagine que je n'ai pas à prouver ma naissance pour aller au palais. Nous devrions nous mettre en route vers le palais. Nous devons nous dépêcher. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. C'est tout ? Il n'y a que des ruines. À quoi t'attendais-tu ? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grandiose ? Mes parents m'ont appelé Odessa, en hommage à l'Odyssée. J'ai pensé qu'en venant ici, tout me paraîtrait plus clair. Et c'est le cas ? Pas du tout. Ramène-moi à mon bateau. Je te paierai là-bas. Tiens, voilà pour toi. Ce que je suis déçue. Pourquoi cet endroit compte-t-il autant pour toi ? Tu plaisantes ? Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Charybde et Scylla. Il avait tout. La loyauté. L'amour. L'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux. Ce qui lui a valu pas mal d'ennui. Et a fait de lui une légende. Mignonne, à prétendre que rien ne pourrait t'arriver. Je n'aime pas beaucoup qu'on me qualifie de mignonne.
J'ai d'autres adjectifs en tête qui tiraient très bien. J'ai hâte de les entendre. Que dirais-tu de belle? Ça te va encore mieux. Les autres viendront plus tard. J'espère que plus tard, c'est bientôt. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je crois que j'étais d'une humeur bien plus sombre avant cette journée. J'ai envie de tant de choses. Atteindre la grandeur d'Ulysse. Mais par où commencer? Atteindre la grandeur d'Ulysse, tu dois cultiver tes talents. Il était célèbre pour son intelligence et sa ruse. Toi, qu'as-tu fait? Je suis venu jusqu'ici. Pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse. Pas pour vivre la tienne. Je savais qu'il ne fallait pas chercher conseil auprès d'un mercenaire. Laisse-moi. Allez, il faut le trouver. Oui, très bien.
Ah, ah. J'aurais des ennuis si on me voit ici. Quoi ça? Quelqu'un veut attirer mon attention? Oh, un souci de moi. Je sais de quel endroit on tire. Tu vas mourir ici. Abandonne. Attends un peu que je t'attends.
Ilos, j'aurais dû me douter que c'était toi qui voulais ces peaux. Et moi, que ce serait toi qui me les apporterais. Alexios est toujours sur la brèche. Ne le dis pas à Marcos, il serait jaloux. J'affiche mes demandes pour laisser une chance aux autres. Mais tu réagis toujours le premier. À quoi doivent servir les peaux cette fois? Les Athéniens veulent des armures pour la guerre. Protection pour eux, et richesse pour moi. Voilà, elles sont toutes là. Et en un temps record. Voilà ton paiement, tu l'as mérité. Tâche d'éviter les ennuis. Et toi, suis les conseils que tu donnes. Que puis-je te proposer ? Viens me voir.
Quand tu veux, capitaine. Attends. Attends-moi, Alexios. J'ai préparé mes affaires. Tu veux vraiment venir? Si tu t'en vas, je m'en vais. Phoebe, tu es trop jeune. Je ne pourrais pas veiller tout le temps sur toi. Oh, je sais me débrouiller. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Même si c'était vrai, tu restes trop jeune. Je me ferai toute petite. Allez! Si tu ne veux pas de moi, emmène Kara. Kara? C'est mon aigle. Et mon ami. C'est Mère qui me l'a donnée. Elle deviendra ton amie. Et ce sera comme si j'étais là. Comme ça, tu penseras à moi. Merci, Phoebe. Et puis, j'aurai Kina avec qui jouer, puisque tu l'as sauvée. Ménage-la. La fièvre risque de l'avoir affaiblie. Mais tu dois me faire la promesse qu'on se reverra. Je l'espère, mais le destin décidera. Le destin sait que nous sommes amis, Alexios. Il nous réunira, c'est certain. Si tu le dis. Oui, je le dis. Hé, hey, Alexios! Tu quittes Kefalonia sans dire au revoir à ton cher Marcos? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Eh bien, tu es là, non? Alors, ce n'est pas vrai. Au revoir, Marcos. Toutes ces années à travailler ensemble. Comment te remplacer? Je veux dire, je vais sûrement le faire, mais quand même, ce n'est pas facile. Bon, allez, viens dans mes bras. Les partenaires, ça se serre la main. Ah, je reconnais là l'homme d'affaires. Et toi, que te réserve l'avenir? Le vin, bien sûr. Enfin, sauf si les vignes se mettent à dépérir. Mais je suis toujours prêt pour une autre aventure. À propos d'aventure, j'ai un travail pour toi, cher Phoebe. Une aventure? Oh oui! Elle marche déjà sur tes traces, n'est-ce pas, mon ami? Prêt à prendre le large? J'ai encore affaire sur cette île. Je viendrai dès que je serai prêt. Je t'attendrai. Bon. Alors, prêt à dire adieu à cette vie? Prépare ton navire. Il est temps de partir. Bien! Il ne faut jamais faire attendre la mer. Allons-y. Alors, où est-ce qu'on va? Vers quel endroit de ce vaste et splendide monde veut aller le puissant Alexios? Mégaris. Mégaris. Mais c'est la guerre là-bas. On m'a chargé de tuer un général. Ah, lequel? On l'appelle le loup. Le loup? On veut tuer Nikolaos de Sparte. Nikolaos de Sparte?
éviter la chute de Sparte. Cet enfant doit périr. Tu dois empêcher ça. Pitié, elle ne fera aucun mal. Elle nous aidera. Elle nous guidera. Silence! Qu'il a ôté. Ce n'est pas un spartiate, Nicolas. Ne l'écoute pas. Nicolas, ne l'écoute pas. Non. Oh, oh non. Ne l'écoute pas. Nicolas. Emmène-moi en Mégaris. Vite. Je ne comprends pas. De tous les lieux baignés par Helios, pourquoi risquer notre peau là-bas? Parce que le loup de Sparte, c'est mon père. Rien ne vaut une bonne brise. On a toujours l'impression que le pont bouge comme ça. Je connais le moyen idéal pour que tu attrapes le pied marin. Ah ? Et qu'est-ce que c'est ? Une bonne nouvelle. Pendant que le Cyclope s'occupait de moi, ces pirates ont volé ma cargaison. Mais maintenant, je connais leur navire et je sais où ils vont. On va leur reprendre tout ça ? D'accord. Ce sera une bonne occasion de savoir ce que valent ton navire et ton équipage.